Bonjour, 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 connectez-vous. Bonjour, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Invitez, s'il vous plaît. Signalez-moi le général Effaillon. Franck, si tu es là, signale-moi. Signale le général Effaillon. Parce que je vais m'adresser à lui. Et aussi au Gabonais. Mais je vais m'adresser à lui. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Bonjour au peuple gabonais. Nous sommes dans le combat. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, connectez-vous, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Je vais commencer dans une minute. Connectez-vous, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. Je commence dans quelques secondes. Partagez le live. Invitez-moi le général Effaillon de la garde républicaine. Et pardon, de la sécurité pénitentiaire. Invitez le général Effaillon de la sécurité pénitentiaire. Je dois m'adresser à lui et aux autres aussi, bien sûr. Paf, je commence. Mes chers compatriotes, Gabonaises, Gabonais, bonjour, bonsoir. Votre homme serviteur Landry Amiang Washington est là pour, comme d'habitude, la conscientisation, la dénonciation et surtout des conseils. Brice Lacruche Alianga, contrairement à ce qui a été dit à l'Union, qu'il a eu une simple diarrhée, parce que ça, ils l'ont dit à l'Union, non. Brice Lacruche Alianga a été empoisonné. Et signalez-moi aussi les autorités françaises, diplomates français installés au Gabon. Je sais que vous allez suivre cette vidéo. Lacruche Alianga a été empoisonné à la prison centrale de Libreville. Et il nécessite des examens beaucoup plus approfondis que ceux dont ils sont allés lui faire à l'hôpital militaire. Je répète, Brice Lacruche Alianga, je n'ai aucun intérêt à le défendre, il ne m'a pas fait sortir, mais c'est un Gabonais. C'est un compatriote gabonais. Et je parlerai toujours en faveur de toutes les violations des droits de l'homme. Que tu sois Gabonais ou pas, que tu aies contribué à me faire emprisonner ou pas, c'est pas ça mon problème. Je me bats pour tout le monde. Et oui, Brice Lacruche Alianga a été empoisonné à la prison centrale. Ils lui ont fait certains examens. Je sais ce qui s'est passé. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas dévoiler mes sources. Mais Brice a été empoisonné. Il a clairement été empoisonné par ce régime. Alors, il nécessite
de faire beaucoup plus d'examens que ceux dont il a fait il n'y a pas longtemps. Pourquoi je demandais de faire venir, d'inviter le général, Efayon, excusez-moi, je vais m'adresser un peu enfant à Efayon. Parce que Efayon m'a peut-être oublié, mais c'est mon grand frère. On a des liens de parenté. Ma grand-mère était de Makoku. Ma grand-mère, c'était la grande sœur du général Mbiangama Barthélémy. Tonton Barthélémy qui est décédé. Qui est un parent des Fayon. Donc en faisant le lien, même Billy Binze, tout ça là, en faisant le lien. Même ma tante là, qui est de Ndjolé là, parce que ma grand-mère revenait de Makoku. Donc on a des liens. Donc les Fayon, comment ils vont faire au bon ou au mauvais. Je vais traduire aussi en français un peu de temps en temps, parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi, mais il s'agit de... Il ne s'agit pas seulement de toi. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fabriqué, Dallas. Il ne s'agit pas seulement de toi, mais il s'agit de... Il s'agit pas seulement de toi, Efayon. Il s'agit. Please proceed to the highlighted route. De, excusez-moi, je suis en train de mettre aussi mon GPS, j'ai oublié de le mettre. Donc, il s'agit pas de toi, Efayon. Mais comment il est au fond? Bon, il sait ça. Anouayadobo, correctement. Fais ton travail, Efayon. Ne rentre pas dans les choses qui vont te dépasser. Ne rentre pas dans les choses qui vont te dépasser. Tu es patron de la sécurité pénitentiaire. Tu ne peux pas permettre. Tu es responsable de la vie de chaque détenu. Tu es responsable de la sécurité de chaque détenu. Et Fayon. Chaque détenu. Qui plus est, lorsque ce sont des détenus des communautés étrangères comme États-Unis, France et tout ça, et Fayon, bon, Winkle. Les gens vont faire des choses et on va te mettre ça sur le dos. Faut refuser et faillons un tout. On dit yebe non ni mamoko, ça va te rattraper et faillons. On va mettre ça sur ton dos. S'il arrive quelque chose à ces gens là là-bas et faillons, c'est toi. Ils vont se laver les mains. Voilà Jesse Elekura, qui a été entendu par un juge d'instruction. Il s'est lavé les mains, il a tout jeté sur Noureddine, non hein? Il a tout jeté sur Noureddine. On va jeter sur toi. On va tout balancer sur toi, Efayon. Bon, il s'est là comme... Je me souviens quand j'étais en prison, il y avait le colonel Assoumou, Belmondo, qu'on a enlevé parce que le gars faisait son travail. Le gars était concentré et focalisé à ne faire que son travail. Il a dit que lui ne rentre pas dans les magouilles. Il ne rentre pas dans les trucs. Il fait son travail. C'est le même conseil que moi je te donne. Fais ton travail, Efayon. Fais ton travail. N'accepte pas que l'on fasse du mal aux gens à travers toi pendant ton commandement. La cruche est française. C'est la France qui a mis les bongos au pouvoir. Les problèmes qu'ils ont avec la France aujourd'hui, où ils sont en train de payer les gens pour aller balancer le sentiment anti-français, alors que ce sont les Français qui les ont imposés parce qu'aujourd'hui la France ne veut plus d'eux, ça là, ça ne marche pas. Moi, je suis un peu Où vient Yaman? Tu m'as oublié, j'étais ton petit à l'escape. Hein? J'étais ton petit. Quand je suis arrivé, vous étiez au... À l'immeuble là-bas où il y avait le second cycle. Moi j'étais là, j'étais ton petit, Emilio. Nivia Yama peut-être. À ce dame, c'est pas un problème. Moi-même là, on a failli me tuer à la prison centrale. Peuple gabonais, je vais vous raconter comment on a failli me tuer. Je vais vous raconter comment on a failli me tuer.
J'ai l'insuffisance cardiaque. Ce qu'on appelle en anglais congestion heart failure. J'ai l'insuffisance cardiaque. Je ne le cache pas, ce n'est pas un secret. Je n'ai pas le diabète, contrairement à ce que pensent certaines personnes. Donc, l'insuffisance cardiaque que j'ai, au départ, c'est la tension. J'ai la tension qui m'a amené l'insuffisance cardiaque et tout le reste. Donc, j'ai une série de médicaments que je prends tous les jours. Et parmi les médicaments que je vais prendre, je vais vous en citer deux. Je prends un diurétique qu'on appelle furosemide en anglais. Et je prends un complément de minéraux qu'on appelle l'aldactone, le spironolactone et tout le reste. Donc, pour faire baisser ma tension, je prends le diurétique qui me fait beaucoup uriner. Je vais expliquer ça de manière la plus simple. Tel que m'a été expliqué à plusieurs reprises des médecins ici aux États-Unis, j'ai été hospitalisé 8 fois, 9 fois. Donc, ce diurétique que je prends, qui me fait uriner, en même temps que j'urine, ça réduit les sels minéraux de mon corps. Et comme les sels minéraux, le corps a besoin de sels minéraux, parce que les sels minéraux, c'est tout ça qui contribue à faire monter la tension. Donc, il faut en réduire quand il y en a trop, surtout que moi, je mange toujours le sel et tout le reste. Donc, je prends le diurétique qui me fait uriner, qui me réduit la quantité de sels minéraux. Mais comme mon corps a besoin de sels minéraux, je prends l'aldactone ou le spironolactone qui vient en complément de sels minéraux pour maintenir l'équilibre dont mon corps a besoin de sels minéraux. J'espère que je ne pense pas qu'un cardiologue ou un docteur va venir dire que je raconte des conneries. À ce niveau, j'explique à mon petit niveau. Donc, à mon petit niveau, selon ce que l'on m'a appris. Donc, je prends un dosage, une certaine dose de sels minéraux. Écoutez bien. Je prends d'abord une certaine dose de diurétique. Et par rapport à la dose de diurétique que je prends aussi une dose de spironolactone, c'est-à-dire de compensation de sels minéraux. Alors, les médecins ici m'ont dit ceci, à plusieurs fois que j'ai été hospitalisé, ils m'ont dit la dose maximale de diurétique que je peux prendre, c'est 20 mg, si j'ai bonne mémoire, 20 mg je crois. Et la dose maximale de spironolactone, je crois que ça devait être aussi autour de 20, 25 par là, parce que je crois que c'est 25. Ouais, 25. Mais je dois pouvoir équilibrer. Je dois pouvoir équilibrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, je n'avais plus de médicaments à la prison centrale. Écoutez bien. Parce que moi, je vous ai dit, j'ai beaucoup de plaintes sur plusieurs personnes. Je n'avais plus de plaintes, je n'avais plus de médicaments à la prison centrale. J'ai demandé d'aller rencontrer un médecin juste pour que, pas pour que l'on me fasse un diagnostic, parce que je connaissais ce que j'ai et je connaissais le traitement qui va avec. C'est ce traitement, je le prends, ça fait sensiblement 10 ans. Et je fais mes contrôles. Donc, je connais quel traitement, je connais comment adapter mon traitement. Alors, donc, je demandais juste que l'on me prescrive les équivalents de mes médicaments que je prenais. Les équivalents en français au Gabon là-bas. C'est tout ce que je voulais. Je ne voulais pas être visité, je ne voulais pas être, comment on appelle, examiné par un cardiologue ou quoi que ce soit. Je ne voulais rien de tout ça. Tout ce que je voulais, c'était que l'on me donne des équivalents des médicaments que je prenais. Alors, l'ancien directeur Paul Mitombo, l'ancien directeur qui est aujourd'hui, inspecteur général de la sécurité pénitentiaire. Je demande d'aller à un endroit où j'ai un médecin qui me connaît, qui connaît mon état de santé. Il refuse, il insiste pour que j'aille. J'ai un médecin qu'ils avaient choisi eux. Écoutez bien. Un médecin qu'ils avaient choisi eux d'une clinique dont, pour l'instant, je ne vais pas citer le nom. Parce que j'ai des procédures que je vais engager. Je n'ai pas encore commencé mon affaire. Mon histoire n'a pas encore commencé. Comme je vous ai dit, mon problème là, ça n'a pas encore commencé. Ce n'est pas fini. Donc,
Il insiste pour m'amener chez, que j'aille chez un médecin. Je dis non, je ne veux pas aller là-bas. J'ai moi mon médecin chez qui, ou la personne qui me suit, dont je ne vais pas citer le nom ici, chez qui je veux partir. Il insiste. Ok, pas de problème. Je suis, ils sont responsables de ma sécurité ou whatever. C'est comme ça que on m'amène là-bas chez ce médecin, finalement. Quand on m'amène chez ce médecin, déjà il y a conflit un peu entre elle et moi dans son bureau. Parce que moi, je connais mon état de santé, je connais ma maladie, je connais le traitement. J'ai été hospitalisé 9 fois aux États-Unis. Et renseignez-vous, moi, quand j'allais à l'hôpital, lorsque j'allais à l'hôpital, c'était toute une équipe de médecins qu'il y avait sur moi. Où il y avait en tête un professeur agrégé avec des docteurs et des étudiants. Parce que quand on parle de cardiologue, là, le cardiologue est un généraliste du cœur. Mais dans le cœur, là, il y a plusieurs parties. Il y a les vaisseaux sanguins, il y a les battements de cœur, il y a ceci, il y a cela. Moi, j'avais toute une équipe, chacun spécialisé dans tout ça. À chaque fois que j'ai été hospitalisé. Et chacun m'expliquait, je sortais de l'hôpital souvent avec des grosses photocopies, des gros livres comme ça. Parce qu'on me disait que toi-même, tu dois d'abord être ton premier docteur. Voilà ta maladie, voilà ce que tu as, voilà les signes, voilà. Donc, je n'avais pas besoin que l'on me refasse le diagnostic au Gabon parce que je savais ce que j'avais et je connaissais. Même quand on m'a donné le traitement, tel traitement c'est pour ça. Ça c'est comme ça. Si tu vois que comme ça, fais comme ça. Si c'est comme ça, si maintenant ça dépasse, viens nous contrer, reviens. Et ça a pris 6 mois pour que mon traitement soit adapté. Donc, on m'envoie chez le médecin là. J'ai bien envie de citer son nom, mais comme je vais. Pour l'instant, je ne suis pas pressé. Qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, il y a la tension entre elles parce que elle veut commencer à me faire certains machins. Je dis non, maman, c'est même pas ce que je veux. Bref, je laisse faire cette dame. Mais à la fin, pour vous épargner trop de détails, qu'est-ce que la femme fait? Elle me prescrit une dose extrêmement élevée de diurétique. 40 mg. Entre-temps, moi, mes médecins ici m'ont dit 20 mg maximum. Elle me prescrit 40 mg de diurétique. Ok, mais en retour, vous savez ce qu'elle me prescrit comme compensation de mes sels minéraux? 5 mg d'aldactone. Vous ne pouvez peut-être pas comprendre. Donc, 40 mg de diurétique, ça veut dire que je vais complètement vider mes sels minéraux, surtout le potassium, et le taux pour compenser est très bas, très faible. Au point où, que se passe-t-il lorsqu'on a un manque de potassium dans le corps? On fait un arrêt cardiaque. Lorsqu'on n'a pas de potassium, lorsqu'on n'a plus de potassium dans le corps, on fait un arrêt cardiaque. C'est comme ça qu'eux, ils voulaient me tuer. Mais ne sachant pas que moi, j'étais avisé. Je savais. Je connaissais quel traitement prendre. Je savais quoi faire, quoi ne pas faire. Je savais quoi faire et quoi ne pas faire. Parce que j'avais déjà été beaucoup édifié. Au point où même le jour, quand on m'a amené à la clinique, ce n'est pas le docteur Alaoué qui va venir démentir. Docteur Alaoué, avec tous les respects que j'ai pour vous, bonjour. Vous vous souvenez de la discussion qu'on a eue dans votre bureau concernant mon état de santé? Vous n'aviez pas cru au départ lorsque je vous ai parlé. Je me souviens qu'un jour, m'avait dit, vous voyez ces cheveux blancs? Et après, m'avait dit, oh, mais donc tu avais raison. Et c'est là où tu m'avais prescrit le bon traitement. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que Dr Alaoué, c'est quelqu'un de bien. Il a été là pour moi, il m'a soigné, vraiment. C'est quelqu'un de bien. C'était tout simplement pour confirmer, pour citer un nom, pour venir confirmer ce que je dis. Donc, ce cardiologue-là, moi, si je prenais le traitement qui m'avait été prescrit par ce cardiologue, je vous dis la vérité, je ne serais plus là avec vous en train de parler. Si je ne connaissais pas, si j'étais ignorant, je prenais un traitement en pensant que j'étais en train de me soigner alors que j'étais en train de me tuer. J'étais en train de me tuer. Si je prenais ce traitement. Mais la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris le traitement qu'elle m'a donné. Et ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai fait l'inverse. Comme ce sont des comprimés sécables, les comprimés sécables, ça veut dire que c'est des comprimés que l'on peut, on les casse
et on divise la dose. Si c'est par exemple 20 mg, lorsque vous cassez, si c'est 2, vous cassez, il y a un trait au milieu, vous les cassez, ça devient 1000 mg. Ça devient la moitié. Si c'était 10, ça devient 5. Comme c'était des comprimés sécables, j'ai tout simplement adapté dans la prison. Et je parie qu'ils se sont demandé, mais comment il a fait? C'est parce que tout simplement, j'ai un pied d'avance que vous, j'ai un pied d'avance de plus que vous. C'est comme ça que moi, on a failli me tuer, moi, à la prison centrale. C'est-à-dire que je prenais mon traitement là. Et je sortais, on a dit que, oh, il est mort de mort naturelle. Avec son machin. Alors que c'est par ce traitement là qu'il voulait me tuer. On m'a amené une autre fois chez une dame à lui, qui a une clinique à lui, là, j'ai oublié son nom. Elle était plus ouverte. Quand je suis parti avec, je suis allé avec, bon, après, quand mes médicaments, parce qu'à chaque fois, il fallait renouveler mes médicaments. Quand on m'a amené chez elle pour faire le contrôle, lorsqu'on m'a amené chez elle, elle, je l'apprécie beaucoup. Parce que quand on parlait, elle me disait, ouh, vraiment, toi, tu peux être un cardiologue, tu connais le marché. J'ai dit, non, je connais ma maladie. J'ai été édifié à plusieurs reprises. Mes médecins m'ont dit, tu es ton premier docteur, tu dois connaître. Je sais quand c'est pas bon. Je sais quand je suis en train de vouloir faire déjà un petit faux malaise. Là. Je connais les signes. L'arrêt cardiaque ou l'AVC ne vient pas sans avertir. Il y a toujours, vous avez, ça avertit. Mais soit on est ignorant des symptômes, soit on les néglige, comme ça a été le cas avec Ali Bongo. Moi, quand j'ai vu ce gars, bon, je ne vais pas trop rentrer encore là-bas dans ces détails-là, je crois que j'ai déjà expliqué ça. Mais c'est tout simplement pour vous dire que l'arrêt cardiaque, l'AVC, tous ces trucs-là, de manière générale, il y a des signes avant-coureurs. Soit on les ignore, soit on les néglige. Donc moi, voilà comment ils ont tenté de m'éliminer à la prison centrale. Aujourd'hui, Bla est là-bas. Ils ont amené Bla à l'hôpital il n'y a pas longtemps. Ils vous ont dit à l'Union que Bla avait fait une simple petite diarrhée. Mais ils ne vous ont pas dit que Bla chiait et pissait le sang. Ils ne vous ont pas dit que lorsqu'ils ont amené, qu'ils vous disent les premiers résultats, les tests qui ont été opérés sur Bla. Qu'ils viennent vous dire ce que ça a révélé. Qu'ils vous disent que Bla, qui d'ailleurs ne devait même plus être à la prison centrale avec tous ces gars, parce que l'ONU a demandé sa libération. Parce que ses droits sont violés. Parce que ses droits sont violés. Leurs droits sont violés. Sans compter les conditions dans lesquelles ces gars sont en isolement. Depuis combien de temps? Plus de 2 ans. En violation de tout. Mais vous allez les remplacer. Brice. Bien que tu ne sois plus trop en odeur de sainteté avec ces gens-là. Vous allez les remplacer. Et Fayon. Vous ne me nyamoure. Va dire au lève, va dans ma taille. On va au lève parce que je t'ai appelé ici pour te donner des conseils. Pour te dire, Fayon, attention. Tu n'as personne devant. Ou bien le dimourous. Les nationalités qu'on a, les pays que nous avons là, les grands là. D'abord eux-mêmes là, pourquoi ils ont ces nationalités? Pourquoi ils se sont cachés? Tous qui sont là, tout ce que tu vois là. Vos chefs là. Surtout en tête là, les Bongo là. Tous sont les doubles et les triples nationalités. Nous nous connaissons. Pourquoi ils ont pris ces nationalités? C'est pour se protéger, non? Mais lorsque vous faites subir ça, lorsqu'ils font subir ça aux autres, on va se retrouver. Nous sommes tous citoyens du Gabon, mais nous sommes aussi tous citoyens d'autres pays. Nous sommes des citoyens de puissance. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des plaintes en France. Et l'éco-réjeci était écouté en France. Sur une plainte, ce n'est pas la seule, le seul. Il y a d'autres qui sont là, les convocations sont déjà là-bas. Ce sont des Français. Ce sont les Français en tête de quel le défunt. Donc, Fayon, fais bien ton travail. Reste dans ton cadre. Fais comme Assoumou Belmondo. Belmondo a dirigé la prison de Libreville. On l'a enlevé parce qu'il a refusé de faire certaines choses. Il a dit, moi je fais ce que j'ai appris, je ne sors pas du cadre.
Je suis un enfant de pauvre. Je n'ai personne devant. Mais toi, on vient empoisonner un détenu devant toi. Parce que vous connaissez, tu connais les résultats des premiers examens de Brice Lacruche à Lianga. Lorsqu'on l'a reçu à l'hôpital, il est parti à l'hôpital militaire. Tu connais. Il doit refaire d'autres examens. Tu n'es pas responsable de sa sortie. Ce n'est pas toi qui l'as fait enfermer. Toi, tu es responsable juste de le garder et de sa sécurité. C'est dans ce cadre que moi, je t'interpelle. Je ne t'interpelle pas dans le cadre que fais-le sortir. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas à ton niveau. Ça ne te regarde pas. Toi, c'est seulement garder. Mais quand on garde là, tu es responsable. Et Fayon, Modjan, Nyamoure. Ou parle, fais attention. Fais attention, Fayon. Faut pas suivre les gens qui vous montrent là. Ils sont en train de courir, aller en Russie, à gauche, à droite, pour vous leur montrer que c'est toujours... C'est faux. Bongo n'est pas le premier dictateur de la planète. Le Gabon n'est pas la première dictature. Il y a des dictatures que les Français américains ont soutenues, après même ils ont encore fait tomber. Et ce n'est pas celle du Gabon qui va échapper. Donc celle-là sera remplacée par une autre. Celle-là sera remplacée par une autre. Et ceux qui ont mis les autres en prison vont les remplacer. D'abord, raison pour laquelle même vous là, en commençant par toi, comment on appelle, la ministre de la banque, c'est même pas elle. Mais c'est d'abord Bongo en haut. Le régime. Mboronto. Arrangez la prison centrale de Libreville. Arrangez la prison centrale de Libreville. Allez-y arranger vos blocs. Allez-y déjà arranger les blocs où vous allez dormir. Faites-le. Parce que ce que vous faites subir aux autres là, que les autres tiennent là, il faut aussi tenir. Hein. Moi j'ai fait près de 4 ans, jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas de jugement, j'ai tenu. Bla est en train de tenir, Gambia et tout le reste ils ont tenu. J'espère que votre tour vous allez tenir aussi. Hein. J'espère que votre tour vous allez tenir. Tout simplement. Donc, réellement, oh là là. Donc, je disais, ah, cela il fatigue les gens, le premier chose là. Ouais, donc je disais que vraiment, et je m'adressais à Efayon. Mitombo qui est inspecteur général, je ne sais pas comment on va envoyer un tortionnaire. Il a fait torturer Zibi. Moi-même, il avait fait venir son surveillant général de machin là, de Port Gentil qu'on appelait Machete. Je connais son nom, je ne vais pas seulement citer ça. Parce que tout ça là, c'est des procédures que je vais engager. Il m'a donné un coup de machette par le revers de la machette là. Ça m'a laissé une trace qui a duré un mois. J'étais à l'hôpital, j'ai les photos de ça. Machete, devant Mutombo, devant le directeur de la prison. Il m'a donné un coup de machette devant le directeur de la prison là. Donc, mais il n'a pas réagi. Il a approuvé. Il était là, ça s'est passé là. J'ai déjà dit que pour l'instant, je n'ai pas encore envie de parler parce que je dois d'abord saisir qui je dois saisir. Tous ceux qui étaient impliqués dans mon histoire là, de près ou de long, de loin, chacun devrait répondre. À un niveau ou à un autre, chacun devrait répondre. Donc, je n'aime pas faire des lives trop longs. Je voulais tout simplement parler à mon frère Efayon. C'est mon grand, on a des liens de parenté. Faut pas suivre. Les gens de Makoku, là, les fangs de là-bas, là, ils sont tous parentés. Ma grand-mère, là. Tous là vont te dire que j'étais parenté à Biangama. Moi aussi, j'étais parenté à Biangama. Tonto Biangama Barthélémy, c'était le grand frère de ma grand-mère, le petit frère de ma grand-mère, mon Kumbiza. Je sais de quoi je parle. Même si certains veulent faire comme si on ne, comme si on n'est pas, comme si on n'est pas parenté. C'est comme ma tante de Ndjolé là. J'ai entendu quelque part qu'elle parle de moi comme ma tantine. Alors qu'on était proches
J'adorais cette femme-là. Mais bon, bref. En tout cas, chacun cherche ou protège son bout de pain. Eux, ils sont là. J'espère justement que vous allez protéger son bout de pain là jusqu'à la fin. Donc, Efayon, je voulais te parler. Et surtout, m'adresser aux Gabonais en disant, peuple gabonais, ne vous laissez pas distraire. Je vais terminer par ce message important. Depuis un certain temps, il y a certains Gabonais, certains gamers qui reçoivent de l'argent du régime Bongo pour balancer une campagne anti-française pour la seule et simple raison que la France qui les a fabriqués, la France qui les a mis au pouvoir sur la vie des Gabonais, sur la pauvreté et la misère des Gabonais, ne veut plus d'eux. Ils se cherchent, ils font des tours en Russie, ils vont à la gauche, ils vont à droite, ils cherchent à s'accrocher au serpent, rien que pour se maintenir au pouvoir. Mais pour quoi être le pouvoir, on ne sait même pas. Améliorer les conditions des Gabonais, de vie des Gabonais, rien. Vous voulez le pouvoir, pour quoi faire? Donc le pouvoir pour le pouvoir. Donc, maintenant comme ils savent que la France ne veut plus d'eux, ils sont en train de manipuler le peuple. Ils sont en train de manipuler le peuple contre la France. Je ne défends pas la position de la France. Mais je dis pour l'instant, vu que la France veut dégager les bongos, moi je vais d'abord un peu travailler avec la France. Après les bongos, là, on va voir. Après les bongos, comme la France veut dégager même ceux qu'ils ont placés, tu comprends? Mais qui ne nous laisse pas, vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Mes chers frères gabonais activistes, combattants, peuple gabonais, ne vous laissez pas distraire. Ces gens-là qui aujourd'hui, qui commencent à vous dire où est-ce qu'ils ont reçu l'argent pour engager toutes ces actions qu'ils veulent engager contre la France. Qui leur a donné l'argent? L'argent là sort d'où? Ces gamers-là. Vous comprenez? Ne rentrez pas dans ça. Chez nous, en éléphant, on dit que lorsque tu as besoin de quelque chose, même si c'est un fou qui t'amène, tu prends. Nous, on veut que les bongos dégagent d'abord. Bongo, le régime, là, le système, la famille, qui dégage du pouvoir. Comme eux, ils comprennent à conjuguer avec le diable pour se maintenir. Nous aussi, on doit conjuguer avec le diable pour qu'il dégage. Donc, on va conjuguer avec la France pour qu'il dégage d'abord. Le reste, on va voir. Ne rentrez pas dans ça. N'allez pas dans leur meeting à deux balles anti-français. N'y allez pas. Je ne protège pas la position de la France, qui est en grande partie responsable de ce que nous subissons. Je ne me mettrai pas du côté de Bongo. Parce que Bongo, tout ce qui l'intéresse, c'est se maintenir au pouvoir. La France leur a donné. Que font-ils d'abord de ce que la France donne? D'abord pour le Gabon, ils volent. Ils ont presque 20% des revenus du Gabon. Plus ce que la France donne encore en achetant le pétrole. L'argent là part où? Est-ce que ça bénéficie à nous les Gabonais? Pourquoi nous on va aller rentrer dans leurs problèmes? Laissez-moi les gens là, n'y allez pas, ne suivez pas ces gens là. Ne rentrez pas dans ça. À la limite, regardez-les se battre. Mais allez-y donner des coups au côté qui vous arrange le plus. Moi, le côté qui m'arrange le plus, c'est que Bongo dégage. Ça, c'est ce côté. Pour l'instant, là, c'est ce que je veux. Pour l'instant, Bongo d'abord. On va voir le reste après. Mais Bongo, là, d'abord, il n'avait qu'à d'abord se mettre à côté. Cette famille-là n'avait qu'à se mettre à côté du pouvoir. C'est des Gabonais, ils peuvent vivre au Gabon. J'ai pas de problème là-dessus. Je ne vais pas les chasser. Je vais les chasser du Gabon pour les envoyer où? Ce sont des Gabonais. C'est leur pays. Mais sauf que le pouvoir là, non. On n'a jamais dit que le pouvoir c'est seulement pour eux. Il n'y a pas de leader providentiel pour le Gabon. Ils ont fait le temps qu'ils ont fait. Où ils ont été incapables de développer, incapables de faire quelque chose, malgré tout ce qui coulait à flot. Ils ont raté, ils ont échoué. Qu'ils dégagent. Ils ont raté, ils ont échoué. Qu'ils dégagent.
Ce sont les hommes les plus nuls de la planète. Un pays extrêmement riche comme le Gabon, rien ne s'explique. La pauvreté, la misère au Gabon ne s'explique pas si ce n'est que la méchanceté. Donc ne rentrez pas là-dedans. Les gens qui vont vous amener là dans les histoires que « Oh, la France, non !» Ce n'est pas le moment. On va régler ces points avec la France après. Pour l'instant, là, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, là, ce n'est pas le moment. Non, je n'ai même pas de l'eau. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc, ce live est trop long carrément parce que franchement, j'aime pas faire des lives trop longs. Franchement, celui-là était trop long parce que j'avais tellement de choses à dire. Je suis désolé. Mais il fallait que je le dise. Mais je veux aussi vous dire quelque chose, chers compatriotes. Moi, mon téléphone est ouvert. Mon WhatsApp est ouvert. Je crois que ceux qui m'appellent ou ceux qui m'envoient des messages savent que je prends toujours le temps de répondre. Moi, je suis moi. Je vais vers les gens. Quand quelqu'un vient vers moi, je vais vers lui. Je ne snob pas les gens. Donc, ceux qui ont des questions, qui veulent discuter avec moi, je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au dialogue. Mais ceux dont je ne suis pas ouvert, c'est les bongos qui veulent venir me tromper. Je ne suis pas ouvert à ça. Donc, c'est ce point sur lequel je voulais communiquer aujourd'hui. Ce n'était pas prévu que je fasse une vidéo. Mais il fallait que je le fasse parce que des compatriotes sont en danger. Parce qu'à la prison centrale de Libreville, oh shit, come on man. Toi tu veux tuer les gens. Donc, parce que des compatriotes à la prison centrale de Libreville sont en danger. Même si c'est des compatriotes qui auraient contribué, qui m'ont fait du mal. Il n'y a pas de problème. On va régler tout ça après. Vous aussi, quand vous serez en prison, vous les gens du régime, là, je veux aussi vous défendre comme ça. Donc, j'en ai terminé. Merci d'avoir suivi. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir, on dirait. Guest request. Ça, c'est qui c'est? Yannick Hig. Ok. Bon. Écoutez, merci. Au revoir. Et à la prochaine.